Bonsoir. Lea-Kim Châteauneuf, bibliothécaire et présidente de Wikimédia Canada. Ça, c'est ma phase de désespoir dans le cadre de la campagne Un bib, un ref, One lib, one ref. Je voulais alimenter des pages, mais je me suis dit aussi que j'allais créer des nouvelles pages sur des sujets qui me sont chers. Mais bref, je travaillais sur des pages des Premières Nations en me disant je vais chercher un peu. Souvent, c'est mal représenté, il manque de références et des pages qui sont en danger parfois d'être supprimées. Fait que je me disais, je vais chercher un chanteur que j'aime beaucoup, qui est connu, là, t'sais, qui a marqué le Québec de façon vraiment importante, qui est Philippe McKenzie, chanteur innu. C'est un des fondateurs, on peut dire, un des fondateurs du folk autochtone au Canada. Puis c'est grâce à lui que ça a donné naissance à Cachetine, Florent Volant, Claude McKenzie, les deux qui faisaient partie de Cachetine, mais toute une génération aussi de chanteurs qui ont été inspirés par le fait qu'il a en disqué dans les années 70 en chantant dans sa langue, en chantant sur des sujets qui étaient relatifs à sa nation. Pas de page Wikipédia, zéro. Sous le choc. Fait que je me suis dit, pas le choix, je vais la créer. Donc, je me suis lancé. C'est en cours de création, fait que ça me permet de vous montrer en même temps rapidement ce que j'ai fait comme travail. C'est une ébauche. C'est une page, il va y avoir encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'amour à donner. Fait que c'est une invitation en même temps. Petite introduction, biographie, discographie, référence. J'ai mis les trois albums qui ont été endisqués par CBC Northern Service dans les années 70. Les dates sont incertaines. Trois références, une thèse de doctorat, un article du Devoir qui lui est consacré, puis qui est consacré à Cachetine, pardon, puis un article de Radio-Canada qui parle de lui. Mais il y a plein de références là, grâce aux ressources numériques de BNQ. Bonjour BNQ, merci pour vos ressources. On peut trouver plein, plein d'articles qui portent sur Philippe McKenzie. C'est pas ce qui manque. Enfin, je vous invite à contribuer, hein, One Lib, One Ref, si vous pouvez acheter des références ou travailler sur des pages qui ont besoin d'amour. Dans ce cas-ci, Philippe McKenzie, la page va être créée. Vous pouvez venir la bonifier, y acheter d'informations. Il y a plein de références, là. Vous allez chercher un article, vous lisez un passage intéressant, vous rédigez un texte dans un style bibliographique qui rapporte ce que vous avez lu, vous mettez la référence à la fin de la phrase, puis c'est fait. Vous venez de faire un travail immense de rapporter cette information-là dans une page Wikipédia. Faut pas lâcher. Il en manque tellement des pages, c'est fou. Beaucoup de travail à faire. Merci.